Bonjour à toutes et à tous, salut Kiki, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau RP forestier en compagnie de Brian0207, salut à toi. Salut. Et de FR Max Pro Gamer. Bonjour à tous. Donc Brian sera en policier et bon bah moi en entreprise forestière, sinon ce serait pas ce titre. Et Guillaume, on va t'appeler dans la série, sera fermier et normalement il y a l'ETA, mais actuellement il est pas là, donc pour l'instant il y aura pas l'ETA est fermé. Voilà. Et du coup, bah bonne série à vous. Allez, salut. Salut. Bonjour. Bonjour. Juste, attendez, petits soucis, on va enlever le trafic routier. Oh, mais il sait pas se calmer, lui. Allez, monsieur. Tiens, il sait pas attendre. En plus, je crois que c'est le flic, en plus. Bon. Je sais déjà qu'est-ce qu'on va utiliser comme je sais déjà quelle fois on va attaquer, c'est déjà l'importance. Hop, on va aller ouvrir la barrière. Hop. Oh. Hop. Nickel. C'est parti. Voiture de l'entreprise. Donc on va attaquer par la forêt là-bas. Je vais attaquer directement par Ouais, on va pas attaquer par du bois en copeaux, on va attaquer, ouais. Ouais, bah du coup il me faut un camtar. On va le laisser chauffer. Hop. Voilà, nickel. Alors on va régler les bois. Alors hop, en 5 mètres. Nickel. Voilà. Putain. Hop. Alors, le plateau il est là-bas. Bah en fait je suis bête, j'ai pas besoin de plateau en fait. J'ai juste à y aller directement vu que c'est à côté. Quel pur hasard. Non ici je passerai jamais. On va passer par là. Monsieur ? Oui. Oui, bonjour. Je venais là pour vérifier si tous les véhicules sont aux normes. Oui, tous les véhicules sont aux normes, oui. Je peux avoir le papier ? Oui, je vais vous donner les papiers. Attendez juste, hein. Ok.
venez. Ok. Alors, les papiers, ils sont là. Tenez. Merci. Tenez, merci, c'est bon, tout est aux normes. D'accord. Bonne journée. Au revoir. Au revoir, bon travail. Merci. À vous aussi. Merci. La prise de force et les béquilles balsou hydrauliques. Nickel. Ce qui est bien avec les empiroles, c'est ça s'attache tout seul, mais ça se détache pas tout seul. Nickel. J'ai le gyrophare. Ah non. Attends, mais alors. Alors. On va attaquer par celui-là. Merde, c'est trompé de touche. Il n'y a personne qui vient. Parce que s'il y a une personne qui vient, je suis un peu dans la merde. Parce qu'il peut se prendre des bois dans la figure. Ok, nickel. On va en couper un autre. Hop, et toi on va te mettre de l'autre côté. Voilà, ok. Hop. Allez, on est à... on ferme ça. On est à la machine. Nickel. Toi, t'es un peu trop. On va te descendre. Nickel. Hop, on va détacher ça. Hop, on met le loquet vers l'arrière. Et normalement, c'est bon, nickel. Hop, et on le relève. C'est bon, on peut éteindre le moteur. Donc, c'est la première fois que je te teste. Hop, on va allumer le gyrophare pour que si jamais il y a une personne qui passe dans la forêt, il voit le... Il voit le... Bah le che... qu'il y a une personne qui travaille, quoi. Tiens. Bon, je sais pas si le policier il va venir me... Il va revenir. Bon, ce sera pas gênant parce que normalement il va me laisser faire mon boulot, mais... Wow.
Ah bah. Oui, bonjour. Oui. Je voulais savoir si cette forêt vous appartient, parce que je vous vois travailler dedans depuis tout à l'heure. Je sais pas, je me demandais si cette forêt vous appartenait. Elle m'appartient pas, mais c'est son propriétaire qui m'a demandé de le faire. Si vous voulez, j'ai même les papiers. Ok, bah je les veux bien. Je vais vous chercher ça. Ils sont là. Ah, tenez. Merci. Ok. Elle appartient à une ferme. C'est bien ça. Ok. Ok, pas de soucis. Bon, du coup, je vous rends les papiers. Tenez. Merci. Allez, au revoir. Au revoir, enfin, au revoir. Hop, nickel. Hop, on va descendre. Décidément, jamais tranquille. Alors, juste vite fait, je vais essayer de récupérer la sangle. Oh là, nickel. Sur celui-là, il faudrait que je le fasse réviser. Sa botte de vitesse est un peu. Allez! On va essayer d'en choper d'autres. Wow! Ah, bah je pense que le godet il est déplanté dans le sol, vu ce que ça vient de me faire. Oh punaise, j'ai eu la peur de ma vie. Et juste parce qu'il me voit travailler, il vient de demander si. Punaise, oh là, oh là, oh là. Je le lève pas assez haut. Non mais. Aussi, je vois pas où se trouve le godet là actuellement. Ok, il est là, nickel. Hop. Par contre, j'espère que la scierie, ils ont de quoi faire pour décharger, parce que moi, j'emmène pas mon chargeur, ça c'est sûr. Je pense que quand j'y étais passé, ils avaient un télescopique. Je sais pas s'ils l'ont encore, parce que ça fait quand même 2 ans que j'étais passé là-bas. Je sais pas si le personnel il a été changé ou pas, mais en tout cas la personne qui le tenait était très sympa. J'arrive pas à l'attraper, ça commence à me casser les pieds là. Ah, oui, c'est bon, je l'ai. Nickel. Alors, on va le descendre ici. Bonjour à la radio. J'aurais besoin du forestier à la radio. Oui, monsieur, pourquoi faire? Il y a un arbre qui est tombé sur la route à côté du champ 15. Il y a un arbre sur la route. Bah, sur le bord de la route. Ouais.
C'est qui à la radio, juste pour savoir? La gendarmerie. Vous voulez plutôt dire la police municipale? Mais bref. Oui, voilà. Bah, si vous pouvez barrer la route le temps que j'arrive. Ok, pas de soucis. Au revoir. Enfin, à tout de Au suite. revoir. Oui. Et bah, décidément. Lui il crie alors que normalement je suis pas censé l'entendre, mais il crie tellement fort. Tomber sur la route, tomber sur la route. Hop, on ouvre la vitre. Monsieur, venez de l'autre côté Oui. s'il vous plaît. Ok. Vous appelez ça tomber sur la route? Bah pour moi, oui. Bah il gênait les voitures, le branchage gênait les branchages et je pensais qu'il fallait mieux l'enlever. Mais, bah, je vais le pousser alors. Je vais le pousser un petit peu. Ok. Allez. Parti. On va juste refermer les vitres. C'est pas qu'il fait froid, mais. Ou alors, ce que je vais faire. Ce que je vais faire. Attendez. Juste. Alors. Oui, monsieur, c'était deux petits jeunes sont passés. Et de loin, j'ai vu la tronçonneuse, ils sont arrivés, ils l'ont coupée. Je voulais les poursuivre, sauf qu'ils ont traversé un champ, j'ai pas pu les Ah rattraper. d'accord. Bah, ce que je vais faire, je pense, je vais essayer de le mettre là où on est. Ok. Donc voilà. Et Donc j'irai à évitez la d'aller à ville de côté au venir le cas où qu'il y ait bouger. une branche qui lâche ou quoi. Et j'irai à la ville plus tard de venir le ramasser. Ouais. Allez, dis-moi que t'arrives à le soulever, mon petit JCB. Allez. Bascule de l'autre côté, toi. Voilà, monsieur, c'est fait. Merci. Au revoir. Allez, au revoir. C'est parti. On va pouvoir continuer. Wow. Alors juste ce que je vais faire vite fait et que j'ai la flemme de faire donc je vais pas le faire. Je vais m'emmerder plus qu'autre chose à pas le faire, mais bon c'est pas grave. On l'éteint là, on éteint le gyrophare. Alors hop. 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 Et hop. Je vais couper un arc qui me gêne depuis tout à l'heure. En évitant de toucher la chargeuse, nickel. Hop, on va bien te placer, toi. Hop, dis-moi que tu tombes pas sur la chargeuse, pitié. Oh putain, il fallait que tu tombes sur un arbre en plus. De toute manière, je m'en fiche, je le coupe. Donc, Oula! Non, c'est bon, c'est pas sur la chargeuse. Bah,
C'est vrai, c'est pas ce qui coûte le plus cher, mais c'est pas une raison. Je me demande qui c'est l'imbécile qui a planté du peuplier ici, mais c'est pas mal, hein. Alors, je vais bouger le chargeur pour prendre cette arme. Là, comment j'ai fait moi pour rentrer par derrière? Ça touche pas à la chargeuse là, non, c'est bon. Quand même, autant fuir, attention au matériel. Et tant te mets là. Voilà. Nickel. Hop. Voilà. Après, quand je vais partir à la scierie avec mon chargement, le policier, qu'est-ce qu'il va faire? Il va me faire bonjour monsieur, contrôle du poids de votre remorque et tout ça à tous les coups. Ça va être comme ça. Parce que moi, avec la chance que j'ai avec la police, ça va être ça. C'est avec la police, j'ai une de ces chances, moi. Une chance de monsieur malchance. Juste toi. Allez, vas-y, tombe. Allez. Oh non. Putain, fallait que j'ai un bout de bois qui tombe comme ça. Ah ouais, mais j'ai carrément mal chargé en fait. Ah bah c'est bon, lui il est assez léger. Hop, vite fait, on va l'enlever lui. Bon, toi, t'as l'air lourd, assez lourd, ouais. Mais putain, trop lourd pour moi, même. Et toi aussi. Bon, toi. Allez. Ah, oh, putain. Voilà, donc. Déjà, attends, on va essayer de t'attraper. Allez, 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 s'il te plaît. Nickel. Oui, c'est bon. Alors, on va le poser, on va mieux l'attraper. Hop. Pour l'instant, alors, à ce qui paraît, il y a un fermier en ville. Bah, justement, le seul, en fait, c'est le fermier qui a cette forêt, qui m'a demandé de la couper, mais... Il est toujours pas venu me voir pour avoir des nouvelles de la forêt. Par contre, j'ai pas calculé là. Elle tombe? Si, oui, ok, c'est bon. J'ai bien calculé ça. Ouais. On va essayer de bien te soulever aussi, surtout. Hop, nickel.
Hop, il reste encore un bout de bois. Je vais pas m'embêter par contre pour celui-là avec le chargeur. Nickel. Donc, ce qu'on va faire. Allez, 3, 2, 1, go! Allez! Ah, putain. Allez! Allez! Wow! Attendez, on va le rentrer autrement. Oh, punaise, il n'est pas si léger. Hein. Surtout comme ça. Oh, j'arrive pas à le tenir. Hein. Ouais, non, je vais essayer comme ça. Allez. Allez. Allez, Lucas. Ouais, pour essayer de reprendre. Bonjour. Encore ? Oui, parce que là, je fais beaucoup d'allers-retours chez le maire. Je suis partie voir si tout... Bah, je suis déjà été voir votre collègue. Je pense que c'est votre collègue, le fermier. C'est pas du tout mon collègue. Il m'a juste demandé de faire la ferme, en fait. Enfin, de faire la ferme, de faire okay. La forêt, c'est tout. Du coup, je suis été le voir. Je lui ai demandé si tout était aux normes, tout, tralala. Et là, je suis été voir le maire. Et le maire m'a dit que chez vous, vous avez un bâtiment qui n'était pas aux normes. C'est le grand bâtiment en forme de U, qui est placé à votre ferme, là où vous pouvez mettre vos copeaux dedans. Le bâtiment pas en forme de U. Où vous allez stocker vos copeaux de bois. Bah attendez, on va y aller et vous allez me dire ce que c'est. On m'a dit qu'il n'était pas aux normes. Bah attendez, je vais venir, j'arrive. Hop, on démarre. Hop, on le baisse. Je suis désolée. Alors, c'est soit il a décidé de me faire chier. Soit ce qu'il dit, c'est vrai. Alors, en espérant que vu que c'est sanglé, que ça tombe pas. Nickel. Alors, juste, on va reculer en espérant que j'arrive à reculer sans toucher. Attention monsieur, attention. Nickel. Le chargeur ne me gênera pas, c'est bon. On va y aller. Eh lol, il court plus vite que moi, eh. Ah, bah il y a le fermier carrément. Ouais. Ouais. Bonjour. Est-ce que tu pourras venir Voilà, c'est le fermier m'a dit que du coup... Ouais, attendez. Guillaume, ouais, vas-y, redis. Est-ce que tu pourrais venir dans mon champ germe couper mes arbres cet après-midi. Pour te les élaguer ou pour carrément te les enlever? Ah, les élaguer. Les élaguer, ouais, je peux venir, ouais. D'accord. T'inquiète, ouais. Bah là, j'ai déjà fait une remorque de ta forêt, là. Ok. Oui, bon, c'est le bâtiment vert, là-bas? Oui, ouais, voilà. J'arrive. Il est pas énorme. Oh, mais c'est normal, il vient d'être construit. En fait, monsieur, je sais pourquoi il est pas aux normes encore. J'ai pas pu déposer les papiers, il a été construit hier. Il a été posé hier. Ah. Donc j'ai pas eu le temps d'aller voir le maire. Bah, je peux vous les donner directement à vous? Oui, ok, pas de soucis. Merci. Hop. Ils sont là. Tenez. Merci. Au revoir. Au revoir. C'est bizarre qu'il m'ait pas mis de contravention. Ouais, il a l'air d'être cool. Hop, on va essayer de passer sans toucher la barrière. Nickel. Hop, on essaie d'écraser comme ça. Non, ça a pas l'air d'être lui. Bon, je sais pas où est-ce que je vais me poser, je vais demander. Ouais. Bonjour, monsieur. Bonjour.
Je vous pose la banou pour que vous puissiez la décharger. Ah bah là, vous avancez un petit peu, je vous dis quand c'est bon. Ok, bah vous me faites signe. Oui. Ok. Je pense qu'il va sauter pour me faire signe, je sais pas. Ah bah là. Vous êtes sûr? Voilà. Oui, sûr et certain. Vous utilisez pas votre télescopique? Si, je vais l'utiliser, mais. Bah, vous voulez pas que j'avance un peu? Vous voulez pas que j'avance plus? Non, vous inquiétez pas. Ok, bah je vous désangle. Je voulais descendre. Oui. Hop, on dessert. Ah mais d'accord, il le fait même pas au télescope, en fait, il le fait avec ça. Hop, on va enlever celle-là en premier, voilà, et celle-là en premier. Putain, il a pas intérêt à me choper la truc, parce que s'il me la chope, il me la dégomme, là, avec la pince qu'il a. Putain, il faut être précis avec ça. Normalement, vu la pince qu'il a, il me chope tout d'un coup, normalement. Quand même. Accroché là, nickel, c'est bon. Bah là, il peut lever. Hein. Wow! Qui fait gaffe là, il y a les bouts de bois, faut remonter, pas le bouger. Hein. Wow! Là, avec sa pince, il a pas l'air d'être doué. Hein. Lol. Hop, on va essayer de monter. Putain, ils sont trop lourds, je peux même pas dire je l'aide. Je veux qu'il a des planches déjà. Ah d'accord, ils sont en ville des copeaux, ouais, donc on peut faire des copeaux. Ah. Ouais. Là j'ai le mec de la série qui est en train de me décharger et j'arrive pour t'élaguer. Ok. Les arbres. Okay. Tu me montes. Tu viendras à l'entreprise me voir ou je viens à ta ferme? Tu viens à ma ferme, par contre j'ai déjà la remorque. Ok. Qui est active derrière mon tracteur qui est là. Oh, ok, ok. Ouais, bah je viendrai avec mon télescope ou t'en as un? Par contre je n'ai pas, donc peut-être venir avec un. Ouais, donc je viendrai avec le mien, ok. Bah à tout à l'heure alors. Ouais, un des deux. Parce qu'il a pas l'air d'être doué avec la grue. Hein. Ah ouais? Bah si, regarde, viens voir comment il s'en sort. Oh! Voilà, je te jure. Monsieur! Monsieur! Oh là! Oui. Vous avez vu? Vous avez vu ce que vous avez fait? Oui. Je suis nouveau, je suis pas très doué. Désolé. Mais je vois ça. Mais c'est bon, c'est. Monsieur, non, c'est bon, c'est pas tordu, donc normalement non, y a rien. Pourquoi vous faites pas directement avec votre télescopique? Ce sera pas plus simple? Télescopique, je suis pas sûr qu'il soit assez long. Ouais. Et en plus, le télescopique, il est pas à 3 mois, il est plutôt à mon patron. Hein. Je sais pas si j'ai le droit de le prendre. Ouais. Normalement, là, ça va. Je vais m'en sortir. Ouais, ouais. Mec, je sais pas pourquoi je sens que mon matériel ne va pas ressortir vivant de là. S'il ressort vivant, c'est vraiment Dieu est avec moi. Ouais. Ouais, bah du coup, je viendrai à la fin quand j'aurai fini, ouais. Et je viendrai en télesco. Ouais. Ouais. Normalement, j'ai déjà une tronçonneuse dans le tracteur, je la mettrai dans le télesco, c'est pas grave. Ouais, ok. Bah, oh putain, il lui reste deux bouts de bois. Oh, t'as vu la pince qu'il a?
Bon, bref. Oula! Là, je crois que j'ai halluciné, je crois. Oui. Monsieur, j'ai abîmé un peu un morceau d'un poteau. Ben non. Si, si, je suis du milieu. En haut, un peu, là. Je l'ai un peu abîmé. Ben non. Un peu tordu. Oh, c'est pas pour le peu qu'il est tordu. Je vais finir avec mon télescope. Bah, avec le télescope de mon patron, il verra rien. Leur pince, je sais pas ce qu'ils ont, leur pince, mais je crois que c'est de la cochonnerie qu'ils ont acheté. Wow. Wow, la pince. Oh, j'ai dit à mon patron, la pince, ça passe pas. Bah, attendez. Vous avez laissé les clés sur le truc? Oui, sur la pince, oui. Mais au pire, si vous voulez, je peux continuer, c'est pas votre boulot, monsieur. Non, 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 je vais juste essayer, éviter. Bon, faut que j'arrive à sauter là-haut. Ouais, un peu, ouais. Alors, comment ça se pilote? C'est comme ça, comme ça. Mais vous inquiétez pas. Si je me débrouille mieux. Et voilà, mieux, mon patron va me gueuler dessus. Qu'est-ce qu'il a fait? Ah, oh, je me suis engueulé. Par contre, putain, oh, il parle tellement fort, je l'entends d'ici. Oh. Oh, me dis pas que j'ai réussi à le choper. Trop fort. Hop, et je suppose qu'il faut les mettre ici. Hop, hop. Yes, monsieur. Voilà. Qu'est-ce que vous avez? Je vous ai entendu gueuler. Oh. Ouais, désolé. Je vous ai entendu gueuler. J'ai abîmé la fourche de mon tracteur. Bah, y a rien qui est abîmé, y a juste un peu la peinture qui est un peu raclée, c'est tout. Ouais, mais normalement j'avais pas le droit de le prendre, je vais me faire engueuler par mon patron encore. Bah attendez, j'ai une bombe de peinture, tant qu'à faire. Mon patron, il est pas très agréable en ce moment. Non. Elle est la peinture rouge, nickel. T'es pas doué. Hein. Hop, un petit coup de peinture. Waouh! Putain, j'ai eu chaud. Oui. Bonjour, coucou. Oui. Voilà. Ouais, excuse-moi. Ouais, monsieur Lucas, pourquoi le paysan ouais, est pas content? Mes arbres, il y aura que les deux premiers à élaguer. On ouais. Fait les autres la prochaine fois. Ouais, ouais, t'inquiète, je vais arriver, ouais. Les arbres, ils sont assez branchus. Est-ce que je peux monter dedans à pied? Ou il faut vraiment un télescope? Non, il faut vraiment un télescope. Ok. Il y a déjà un cratère qui est dans le fond. Elle forestier, okay, okay. Forestier. Oui, c'est moi. Pourquoi le fermier, il parle pas? Si il parle, c'est juste que vous êtes sourd, c'est tout. Ah, ok. Il parle, c'est juste que vous l'avez pas entendu, c'est tout. Voilà, monsieur, c'est fait. Merci. Bon, je m'en fiche, single dessus, je manœuvre. Hein. Allez, dis-moi que t'as des bons amortisseurs le tracteur. Ouais, c'est bon, nickel. Ouais, monsieur. Ouais. Ouais, est-ce que vous pouvez venir m'aider? Ma voiture n'arrive plus à démarrer. Décidément, c'est journée des emmerdes. Ouvrez-moi le capot, s'il vous plaît. Ok, nickel. Ah bah. Hop. Hop. Attendez, je vais essayer de la démarrer. C'est bon, normalement, ça démarre. Voilà. Merci. Bon, je vous ferme le capot. Voilà. À tout de suite. À tout de suite.
Je pense que c'est là. Hein. Tous les coups, ouais, ça doit être ici. Bah oui, il y a une bétaillère, ouais, donc c'est ça doit être ici. Ouais. Est-ce que c'est ouvert ici? Ouais, c'est bon, c'est ouvert, nickel. Je sais pas du tout où il se trouve. Chercher parce que je sais pas du tout où il est. Bon. On va attendre. Ah bah il est là. Oh. Mec. Oui. Il est à toi le champ juste en face là? Juste là, là. Juste là, ici, il est à toi. Mec, monsieur. Monsieur. Ouais. Il est à vous le champ. Il est à vous le champ juste là, là. Je suis derrière vous. Là, le champ ici, il est à vous. Ouais. Bah, monsieur, ici présent, là, monsieur le policier, il a roulé dedans. C'est pas grave parce qu'il y avait rien. Ouais, heureusement. Bah du coup, je vous suis pour les bagages. Ouais. Est-ce que tu m'as pas en retard hein? Vous avez quelques papiers à faire. Ah, ok. Bon, il en a pas marre de klaxon, lui. Je vais l'attendre là parce qu'à tous les coups, on va devoir sortir, je pense. Je vais m'écraser. Putain, je l'entends. Oh mais il gueule. Oh. Putain mais ici ils savent faire que ça ou quoi gueuler. Il est où? Il est là. Donc il y a une grande là. Ouais, par contre attends que je descende, ça m'évitera de gueuler et toi de gueuler. Voilà. Donc. Ok, à cette branche-là. Mm-hmm. Oui, bonjour. Oui, il y a cette branche-là. En haut là, celle-là là. Les deux. Celle qui est de au niveau du champ et ok ouais. Oui, ouais. Bonjour. Ouais. Oui. Oui. Du coup, c'était pour le fermier. Du coup, je vous ai vu tout à l'heure passer par la route et vous avez roulé trop vite. Mm-hmm. Excusez-moi de vous couper. Du coup, tu peux le prendre et toi me surélever parce que je peux pas faire les deux en même temps. Ouais. Donc allez-y, continuez. Hein, moi, je me mets en place. Est-ce que la sécurité, vous pourrez repasser plus tard, s'il vous plaît. Oui, mais je voudrais quand même vous mettre une amende après. Ouais, bah, je peux pas être en poste. Bah, je vous attends. Plus vers la droite. Top. Hop. Ouais, attends, je vais la couper pour la faire tomber. Wow. Je
suivant? Non. Bon, attends, vas-y, descends-moi. Merde. Déjà, mais c'est le jeu. Ouais, vas-y, descends le godet. Voilà, nickel, nickel, nickel. Stop, 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 stop. Attends, attends, je vais juste couper les branches là qui gênent parce que, mec, c'est trop grand là. Tu ramènes pas ton tracteur sinon? Non, je ramènerai tout seul. Attends, ça sert à rien que tu me parles, j'entends rien là. Ouais, vas-y. Par contre, essaye d'enlever les feuillages. Les feuillages, ouais, je te les enlève. Enlevez-vous, monsieur, merci. Putain, j'arrive pas à couper la branche, je cherche une. Monsieur le fermier, je pense que là. Ouais. Je peux vous donner la main. C'est toi alors, pour les récupérer, une fois moi propre à vous, une fois je vous retire les deux, vous me donnez 200 dollars. Hop, on va la poser là-dedans. Voilà, alors. Hop. Monsieur, vous pouvez faire les 3 points ou les 200 euros à payer? Les 200 euros. Ok. Bah, vous les avez sur vous ou est-ce que vous allez les payer? Waouh, waouh! Je les ai payés. Vous avez le bouchon sur vous? Oui. Ok, allez-y, au revoir. Du coup, je pense que je vais vous laisser là. Au revoir. Au revoir. Je savais pas que tu le posais ici, il avait un double. Ouais. Je savais pas qu'il avait un jumeau. En plus, le jumeau, il reste là en plus. Ouais, du coup, tu te places bien et tu me montes là, ici, là. Ouais, attends, je... Vas-y. Ok, je vais passer. Oh putain. Quoi? Ah, ok. Merci. Merci, monsieur. Oui. Bon, vous pouvez partir, s'il vous plaît, vous m'empêchez de travailler. Merci. Voilà. C'est bon, tu peux y aller. Ouais. Vas-y. Droite, 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 droite. Vas-y. Attends, descends le godet que je puisse monter dedans quand même. Vous parlez de travailler, vas-y. Mais et nous on fait quoi? Nous on fait de la mer. On peut dire ça, ouais. Bah non, c'est beau, c'est une boutade. Bah non, mais ça me prend plus de temps et ça lui coûte plus cher. Du coup, stop, 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 stop. Ah oui, c'est ça, allez, au revoir. Ouais, ouais, allez. Casse-toi, connard. Bah d'accord, monsieur, comment vous pouvez m'entendre? Vous êtes à 3 km de moi. J'ai ma fenêtre ouverte. Ouais bah j'ai pas parlé fort donc vous êtes pile, vous êtes vous entendez des voix monsieur hein, j'ai rien dit hein. Ouais c'est bon il est fait lui. Vas-y on va faire l'autre arbre. Hop je pose la tronçonneuse et je descends. Vas-y. Putain, par contre, cette branche, elle est grosse. Vas-y, lève un peu.
Encore. Top, recule. Encore, 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 stop. Monte. Monte, 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 monte. Monte. Top. Hop. Hop là, wow. C'est bon, tu peux me descendre. Hop. On va enlever les feuillages. Nickel. Bah attendez, je vous enlève juste pour... Voilà. Oh putain, c'est trop lourd. On les met où? On les met là. Monsieur? Oui. Je vous enverrai la facture par mail, hein, ce sera, je vous dis directement le prix, ce sera 100 dollars, hein, 100 euros pardon. D'accord. Et je vous enverrai la facture par mail avec le numéro de compte pour payer sur le compte bancaire, directement. D'accord. Au revoir. Au revoir. Monsieur? Oui. Par contre, vous avez pas fini de la goûter cette branche là. Ah oui, excusez-moi. Et voilà, monsieur. Merci. Wow. Ouais, je vous laisse faire du coup. Ouais. Au revoir. Au revoir. Et allez, c'est parti. Tout à fait logique. Bon, on va appeler les flics, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise?
Enfin, qu'est-ce que tu veux que je me dise? À la radio, est-ce qu'il y a un policier? Oui, je vous reçois. Pouvez-vous venir à mon entreprise, s'il vous plaît? Et vite. Ok, j'arrive. Alors déjà, comment est-ce qu'ils ont pu bouger le matériel alors qu'il n'y a pas les clés dessus? Qu'on m'explique. Bah tiens, il est déjà là. Oui, bonjour. Bon, bah vous voyez pourquoi? Ah oui. Il y a pas eu de vol, non? Je suis pas allé voir encore la forêt, mais ce que je comprends pas, c'est comment ils ont fait pour les bouger alors qu'il y avait pas les clés dessus. Ah. Ils ont dû forcément faire peut-être avec les fils, ouais. Je pense. Les véhicules sont encore allumés? Non, ils sont éteints. Attendez, je vais essayer de mettre la clé, voir si c'est vraiment les fils. Bah non, déjà pour le fun, c'est pas les fils, il démarre. Ah. On va voir pour le reste. Il est pas allumé? Non. On va voir pour ça. Non. Non. Ils ont peut-être. Je pense qu'ils ont dû faire fabriquer des doubles, je pense. Oui, je pense. Ou alors ils ont juste crocheté, tout simplement. Leur coup devait être prévu depuis longtemps, sûrement. Ouais, je pense.